c'est moi, Princesse Peach. Et on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet... Tu vois, un sujet qui me vénère. Non, mais pas un sujet qui me vénère comme ça. Non, un sujet qui me vénère. Tant que ça me vénère, ça me... Ouh là là, excusez-moi. Ouh, je reprends mes esprits, hein. Ça va, tout va bien. Et oui, parce qu'en fait, je comptais parler des... Des hypocrites. Je parle un peu de ce sujet parce qu'en fait, j'en ai connu beaucoup dans ma vie. D'ailleurs, c'est quoi un hypocrite? C'est des personnes qui dissimulent leurs véritables sentiments. Ils feintent les opinions et des vertus qu'ils n'ont pas. Juste, j'ai une question. Pourquoi vous faites ça? Je vous croyais sympa, moi! Ça me... Les hypocrites, ils font genre ça. Oh ma chérie, tu m'as tellement manqué! J'adore ta tenue! Franchement, t'es trop belle comme ça! T'es vraiment ma meilleure amie! C'est que quand t'es pas là! Non mais franchement, elle m'énervait! Elle se prend pour qui celle-là? Elle est pathétique! Eh ben c'est la fête, hein! Oula! Quand le chat n'est pas là, les souris dansent! J'ai tellement envie de vous lancer des pièces. Tiens, tiens, va t'acheter une vie. Puis les hypocrites, moi, elles me font trop rire quand elles parlent entre elles. Eh, tu sais pas la nouvelle? Ah non, quoi? Vas-y, raconte. Ben, la dernière fois, tu sais, j'ai vu l'autre, là. Oh, c'est pas vrai. Non, mais attends, elle a pris du cul, mon gars. Genre, j'ai jamais vu un boule aussi énorme. Ah non, mais moi, je la vois tout le temps à la sortie du lycée aller s'acheter des pains au chocolat à la boulangerie. Tu m'étonnes qu'elle est grosse. En plus, elle met des habits super moulants. Ah, franchement, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Ah non, mais vraiment, faut qu'elle arrête le Nutella. Hein. C'est plus possible. Tellement grosse que quand tu la vois, tu sais même plus si elle est de dos ou de face, quoi. Oh, putain, des RMDR, ou la dernière salto avant, flip avant. Puis en fait, je me suis dit, les gens, en fait, ils doivent s'ennuyer dans leur vie. Forcément, vu qu'ils s'ennuient. Faut bien qu'ils s'occupent. Les pauvres. Ah non, pas vraiment les pauvres. Leur vie doit pas foncièrement être très, très intéressante. C'est pas une raison pour aller cracher sur les gens si tu t'emmerdes. Mais enfin, c'est grotesque. Mais ce qui est vraiment hallucinant, dans un sens, tu leur portes de l'intérêt, ça les fait jubiler. Mais dans un autre sens, si tu leur portes pas de l'intérêt, ah bah toi, tu les oublies. Ça les agace, donc du coup, ils continuent à parler sur toi. Eux, ils t'oublient pas, ils t'ont à l'œil. Te matin. Ouh. Après, j'ai envie de te dire... Ça n'en vaut même pas la peine. En plus, ce qui puisait, c'est les amuse. Mais ils se croient puissants. Non mais MDR, JPP, quoi. Toi, tu vaux beaucoup mieux que ça. Tellement dégoûté que les hypocrites soient pas des espèces menacées. Youpi, ça nous ferait des vacances. Petite devinette. Quelle est la fête préférée de l'hypocrite? Ben c'est le carnaval. Parce qu'ils adorent être masqués. Je vais bien. En tout cas, il y a une citation qui dit... La balle du crapaud n'atteint pas celle de la blanche colombe. Les hypocrites, sérieusement, je vous dis une chose. De un, t'es méchant. Et de deux, mais t'iras en enfer. Satanas. Bon, mais voilà les amis, cette vidéo touche enfin à sa fin. Bah oui, on va pas passer notre temps à parler d'eux. Hein. On a dit qu'il fallait les ignorer. Donc si toi aussi, les hypocrites t'en peux plus, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et surtout... Abonnez-vous à ma chaîne YouTube! Sinon, je parlerai sur vous!